Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le vocabulaire mathématique pour comprendre pourquoi moins 2 est plus grand que moins 5. Donc nous avons vu précédemment que moins 2 est plus grand que moins 5 parce que moins 2 est à droite de moins 5. Avec les nombres négatifs, nous allons réfléchir aussi par rapport à 0. La distance à 0 de moins 2 est égale à 2. C'est la distance qui sépare moins 2 et 0. La distance à 0 de moins 5 est égale à 5. Il y a bien 5 unités entre 0 et moins 5. Donc, le nombre négatif le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Ainsi, le nombre négatif le plus grand, c'est-à-dire moins 2, est celui qui a la plus petite distance à 0. 2 est bien plus petit que 5. Un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. On n'a pas besoin de regarder les distances à 0. Un nombre positif est toujours à droite de 0. Un nombre négatif est toujours à gauche de 0. Donc le nombre positif est toujours plus grand que le nombre négatif. Et si nous avons deux nombres positifs? Bon, ça, on connaît depuis longtemps, donc on n'a pas trop s'embêter avec ça. Mais si on regarde la distance à 0, la distance à 0 de 2 plus 2, c'est toujours 2. La distance à 0, par exemple, de 6, c'est 6. Donc le nombre positif le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Il n'y a rien de choquant. Il faudra bien faire attention. Le nombre négatif le plus grand, c'est celui qui est le plus à droite, autrement dit, le plus proche de 0. Autrement dit, celui qui a la plus petite distance à 0.